Le mot du jour. Le mot du jour présenté par Marietta Keke. Chers frères et sœurs, bonjour. Nous allons répondre aujourd'hui à deux questions essentielles de la foi. Quel est le dessein de Dieu sur l'homme? Et pourquoi y a-t-il en l'homme le désir de Dieu? Quel est le dessein de Dieu sur l'homme? Infiniment parfait et bienheureux en lui-même, Dieu, dans un dessein de pure bonté, a librement créé l'homme pour le rendre participant de sa vie bienheureuse. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu le Père a envoyé son Fils comme Rédempteur et Sauveur des hommes tombés dans le péché pour les appeler dans son Église et pour leur donner d'être ses fils adoptifs par l'action de l'Esprit Saint et les héritiers de son éternité bienheureuse. Répondons à présent à notre deuxième question. Pourquoi y a-t-il en l'homme le désir de Dieu? En créant l'homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir. Même si un tel désir est ignoré de l'homme, Dieu ne cesse d'attirer l'homme à lui pour qu'il vive et trouve en lui la plénitude de vérité et de bonheur qu'il ne cesse de chercher. Par nature et par vocation, l'homme est donc un être religieux capable d'entrer en communion avec Dieu. Ce lien intime et vital avec Dieu confère à l'homme sa dignité fondamentale. Excellente journée à tous, que Dieu vous bénisse et à demain pour de nouvelles réponses.